Elles sont trois, comme celles de Tchekhov, les trois petites comtesses, les sœurs de cette famille totalement désargentée de Cagliari. Alors, les deux aînées essayent de restaurer l'honneur de la famille, l'une en faisant beaucoup d'enfants, ça ne marche pas, l'autre en essayant d'épouser un riche mari qui pourrait restaurer tout ça, ça ne marche pas très bien non plus. Puis il y a la troisième, la contessina de Ricotta, parce qu'elle est pâle et blanche comme ce fromage frais, parce qu'elle a les doigts mous, elle lâche tout, elle est maladroite. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Difficile de dire si la comtesse est jolie. Peut-être pas. Elle est mal fagotée. Ça désole Maddalena qui coûterait bien et s'efforce d'habiller sa sœur. Elle la garde longtemps debout pour prendre ses mesures et réaliser un patron parfait avec du papier de soie et des épingles. La robe finie est superbe, mais sur la comtesse, qui la porte avec des chaussures informes, toute cette perfection disparaît. Ça devient une robe de pauvresse à qui on aurait envie de faire l'aumône. Alors la comtesse donne la robe à Noémie, plutôt qu'à Maddalena qui est bien en chair et n'a pas la même taille. Maddalena ne s'avoue pas vaincue. Elle veut tenter un autre modèle et ressort bientôt sa boîte à couture, pleine de fils de toutes couleurs, d'épingles et d'aiguilles, et la torture recommence. Après un précédent roman agressif et sordide, Milena Agius renoue avec le style délicieux de ses premiers romans, avec la magie de l'histoire, avec des portraits de femmes magnifiques, pitoyables, touchants, des femmes qu'on voudrait connaître. Et dans cette fable très contemporaine, les stucs s'effritent sur les personnages, ils ne les étouffent pas, ils les parent d'une aura incomparable.